www.casarima.fr. Chaque fois que les hommes diront que Dieu ne m'aime pas, je dirai, il s'est donné la peine pour un fou et alors pour moi. Chaque fois que les hommes diront que Dieu m'a oublié, je dirai, s'il a pu se souvenir d'un fou qui ne peut pas prier, à combien plus forte raison, moi qui jeûne et qui prie, il se souviendra de moi. Quand est-ce que le fou a prié? Même pas une seule fois. Il n'a pas pu faire d'invitation, il était dans sa folie. Il n'avait rien qui pouvait attirer les hommes, mais son Créateur. Bien-aimé, alors que ton problème a fait que le monde te rejette, il y a quelqu'un qui te donne toujours de la valeur, ton Créateur. Dieu n'a pas fini de bénir, Dieu bénit encore aujourd'hui. Dieu n'est pas fatigué de guérir, il guérit encore aujourd'hui. Dieu n'est pas fatigué de répandre l'onction, il oint encore aujourd'hui. Dieu n'est pas fatigué de communiquer des visions et des rêves, il en donne encore aujourd'hui. Dieu n'est pas fatigué de prendre les gens dans la boue et de les élever, il élève encore aujourd'hui. Si toi tu es fatigué, Dieu n'est pas fatigué. Il n'a pas un plan que pour Pierre, il n'a pas un plan que pour Matthieu, il n'a pas un plan que pour Jean, il n'a pas un plan que pour les Nigérians, il n'a pas qu'un plan pour les Américains, il a un plan pour le Congo. Congo, Dieu a un plan pour toi, malgré les guerres, malgré les chantiers et tout le reste, Dieu a un plan pour nous. Je resterai là jusqu'à ce qu'ils viennent me visiter. Si tu n'as rien à dire au monde, tu ne maîtrises pas l'Apocalypse, l'hébreu, le grec, il y a quelque chose que tu maîtrises. J'avais des femmes de nuit, j'étais délivré. J'avais des maris de nuit, j'étais délivré. J'étais impudique, j'étais délivré. J'étais ivrogne, j'étais délivré. Je ne dormais pas, j'étais délivré. Va dire au monde ce qu'il a fait pour toi. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarima.fr. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande à Dieu de te toucher par sa parole, par son esprit, par sa puissance. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son esprit.
Luc 8, verset 26. Ils abordèrent dans le pays de Gérasénia, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu, Luc 8, 26 jusqu'au verset 39. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays de Gérasénien prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu change vos vies ce matin. Que Dieu rencontre un homme ce matin. Que Dieu rencontre une femme ce matin.
que quelque chose de précis venant de Dieu arrive ce matin. Nous refusons de nous approcher de toi par habitude, car tu n'es pas une habitude, tu es la vie. Nous sommes conscients que sans ton esprit, ce culte n'est rien. Nous sommes conscients que sans la touche de ton onction, ce message n'est rien. Nous sommes conscients de ta présence. Au-delà de nos difficultés, au-delà de nos luttes, au-delà de nos combats, au-delà de nos problèmes, nous sommes conscients de ta présence. Père, qu'un esprit de foi soit répandu sur ton peuple ce matin, de sorte qu'il soit capable de saisir ta parole et d'expérimenter ton plan ce matin. Viens en aide à ceux qui sont devenus incrédules et qui ne croient plus que leur vie peut changer. Viens en aide, Seigneur Dieu de gloire, que ton plan, que ton but se réalise ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Et je le dis comme une proclamation ce matin dans ta vie. Ça a pris trop de temps. Trop de temps, ça a duré. Les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ta vie. Un jour, les ténèbres ont commencé, mais un jour aussi, les ténèbres s'arrêtent. Et je bénis Dieu pour ce témoignage qui nous a précédé, de cette sœur qui a fait ce témoignage, et je la connais. Réellement, cette sœur est délivrée. Chaque fois, je lui dis, tu n'as rien vu. Elle dit, je ne vois plus rien du tout. Les esprits avaient atteint le niveau de foi de la déshabiller. Mais cette sœur dort calmement. Le Jésus de ses écritures n'est pas resté dans ses écritures. Il est au milieu de nous ce matin. Et il cherche un homme qui aura la foi. La foi. À celui qui croit, tout devient possible. Ils abordèrent dans le pays de Gérasénia. Qui abordèrent? Jésus et les apôtres. Mais pas seulement Jésus et les apôtres. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit décidèrent d'aller à Gadara. Bien-aimés, ce matin, il y a ici, au-delà des hommes que nous voyons, trois personnes très très importantes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit abordèrent à l'Imété. La divinité arriva à Gadara. Le cortège divin arriva à Gadara. Et le cortège divin est venu ici ce matin. Et partout où il y a la divinité, il y a les anges. Les anges étaient là. Le Père était là. Le Saint-Esprit était là. Et la partie visible de la divinité, Jésus, était là. Pour qui? Pas pour deux personnes. Pas pour trois personnes, pas pour cinq personnes, pour une seule personne. Bien-aimé,
Dieu n'attendra pas que nous soyons à deux pour commencer à faire des miracles. Car une seule personne suffit pour qu'il puisse déployer toute sa force. Car tu as du prix aux yeux de Dieu. L'onction de Dieu n'a pas commencé lorsque nous sommes devenus nombreux. Lorsqu'un seul homme est venu avec foi et soif ce matin dans la présence de Dieu, la divinité déjà a commencé à dire, il est déjà là. C'est pourquoi qu'importe ton voisin ou ta voisine, Dieu t'a localisé ce matin et il sait que tu es venu malade. Il sait que tu es venu pécheur. Il sait que tu es venu possédé. Il le sait. Pour un homme, était-ce un roi? Non. Était-ce un ministre? Non plus. Un fou. Oh, merci Jésus pour ton amour. Chaque fois que les hommes me diront que Dieu ne m'aime pas, je dirai, il s'est donné la peine pour un fou et alors pour moi. Chaque fois que les hommes me diront que Dieu m'a oublié, je dirai, s'il a pu se souvenir d'un fou qui ne peut pas prier, à combien plus forte raison, moi qui jeûne et qui prie, il se souviendra de moi. Quand est-ce que le fou a prié? Même pas une seule fois. Il n'a pas pu faire d'invitation, il était dans sa folie. Il n'avait rien qui pouvait attirer les hommes, mais son Créateur. Bien-aimé, alors que ton problème a fait que le monde te rejette, il y a quelqu'un qui te donne toujours de la valeur, ton Créateur. Il a laissé des rois en Galilée, des princes en Galilée. Il s'est déplacé pour un fou. Un fou qui n'était pas né fou. Un fou qui n'a pas été créé fou, mais qui est devenu fou parce que l'ennemi Satan était passé par là. C'est pourquoi ton nom n'est pas ton problème. Car ton problème est venu et il partira. Ton nom n'est pas ton problème. Ton nom n'est pas ta maladie. Ne te donne pas le nom de la maladie. Ne te donne pas le nom de ta situation. Ta situation est venue et elle partira. Cet homme vivait dans la ville. Je ne sais pas s'il était fils de qui, mais la Bible dit qu'il vivait dans la ville. Mais quand Jésus arrive, il ne le trouve pas dans la ville. Les démons l'avaient fait déménager. Il habitait le désert, il habitait les tombeaux. Il en est de toi. Là où tu es, ce n'est pas là où tu veux être. Une force, une puissance t'a fait déménager. Tu travailles dur, mais tu n'habites pas où tu veux. Tu te bats, mais tu n'es pas là où tu veux. Une puissance maléfique te maintient dans une situation géographique qui ne correspond pas à ta destinée. Mais ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que lorsqu'il te fait déménager, il ne fait pas changer le plan de Dieu pour ta vie. Car là où l'ennemi t'amène, Dieu te cherchera aussi. Il te cherchera, même si tu es au Saint-Pépé, il te cherchera. Dieu dira un jour à un jeune garçon, va prêcher au Saint-Pépé. Il arrive là-bas, il t'impose les mains et tu es guéri. L'amour de Dieu t'a cherché, là où le diable t'a fait déménager. Il habitait là où les hommes n'habitent pas. Il était nu dans la honte donc. Il était seul ou dans les endroits qui font peur, dans les cimetières. Un homme qui vit à côté de la mort. Et la Bible nous dit que les hommes l'enchaînaient. Mais les démons qui étaient en lui étaient tellement forts qu'ils brisaient les chaînes. De sorte que tout le monde était fatigué. Ton père est fatigué de toi, Jésus ne l'est pas. Ta famille est fatiguée de toi, Jésus ne l'est pas. Ton mari est fatigué de toi, il veut même divorcer, Jésus n'est pas fatigué. Ta femme est fatiguée de toi, Jésus n'est pas fatigué. Là où les hommes s'arrêtent, Dieu commence. Là où l'homme crie abandon, Dieu commence.
Là où l'homme est limité, la puissance de Dieu commence. Et les hommes avaient dit, nous ne pouvons plus rien pour lui. Ils avaient fait une passe en or à Jésus-Christ, afin qu'il soit le seul à marquer le but. Et qu'on dise, ce n'est pas l'œuvre de la CNPP, c'est l'œuvre de la puissance de Dieu. Ce qui t'arrivera ce matin sera l'œuvre de Dieu. Ce qui t'arrivera ce matin sera l'œuvre de Dieu. Mis dans les cimetières par les démons. Et cet homme criait. Il se mortifiait, prenait des pierres et se mortifiait. Un pasteur qui vient de Jérusalem dit que quand on va en Israël, on voit l'endroit où ces possédés de Gadara vivaient. Et comment est-ce que ses mains arrivaient à laisser des traces dans la pierre. Et quand il criait, alors que Jésus faisait des miracles, il entendait sa voix. Alors qu'il était en train de multiplier le pain, il entendait sa voix. Alors qu'il imposait les mains aux autres, il entendait sa voix. Mais peut-être qu'il pouvait dire que Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, ton tour n'est pas encore arrivé. Oh, Dieu ne t'a pas oublié, ton tour n'est pas encore arrivé. Car il est dit, avant le miracle de la délivrance du possédé de Gadara, quelque chose s'est passé. Jésus venait de calmer la tempête. Il fallait d'abord qu'il puisse sauver ses apôtres. Lorsqu'il aura fini, il s'occupera de toi. C'est pourquoi, comme on le dit ici à Kinshasa, le panier sur qui l'encore. Mais quand tu vois ton voisin manger, prépare-toi très bien, range ton estomac. Ton tour, oh, ton tour arrive! Dieu n'a pas fini de bénir. Dieu bénit encore aujourd'hui. Dieu n'est pas fatigué de guérir. Il guérit encore aujourd'hui. Dieu n'est pas fatigué de répandre l'onction. Il oint encore aujourd'hui. Dieu n'est pas fatigué de communiquer des visions et des rêves. Il en donne encore aujourd'hui. Dieu n'est pas fatigué de prendre les gens dans la boue et de les élever. Il élève encore aujourd'hui. Si toi tu es fatigué, Dieu n'est pas fatigué. Mais ton tour arrive. Jésus avait un ministère puissant, mais il n'avait point de publicité. L'onction et la sainteté qui émanaient de lui faisaient sa publicité. Entre une affiche et l'onction, je préfère l'onction. Entre une émission à la télévision et la sainteté, je préfère la sainteté. Entre une chaîne de télévision et être enveloppé de la gloire de Dieu, je préfère être enveloppé de la gloire de Dieu. Car l'émission s'arrête là où l'antenne émet, mais l'onction peut traverser les fleuves, les rivières et atteindre le monde entier. Il met son pied. Et la Bible nous dit, l'homme qui était possédé a vu Jésus. Et il s'est approché. Et quand tu regardes cette scène, tu peux croire que c'est une scène naturelle, que c'est un homme qui a vu Jésus. Mais en soi, c'était les démons qui avaient vu Jésus. C'est pourquoi les hommes souvent ne savent pas traiter ton problème parce qu'ils le traitent superficiellement. Ils pensent que parce que tu parles seul, que tu es seul alors que vous êtes nombreux. Jésus lui dit, qui es-tu? Singulier, nous sommes plusieurs. Certains au milieu de vous, on te voit seul, mais vous êtes nombreux. Et comment tu peux traiter le problème d'un homme quand tu ne sais pas, ils sont à combien? C'est ainsi que les hommes n'arrivaient pas à dompter cet homme, ils ne connaissaient pas son problème. Il avait tout un bataillon de démons en lui. Des fois, tu sens même que tu n'es pas seul. Tu sens des présences maléfiques et démoniaques comme la sœur qui l'a témoigné. Certains, quand vous dormez, vous sentez des présences. Quand vous marchez, vous sentez des présences. Avant de connaître Jésus, c'était ça ma vie. Quand c'était le soir, j'avais peur. Mes nuits, c'était des cauchemars, c'était des films d'horreur. Mais lorsqu'on me voyait le matin bien habillé, on pensait que c'était un jeune garçon. Mais la nuit, ma véritable vie se révélait. Oh Jésus, cet homme était seul contre plusieurs. Seul contre plusieurs démons.
seul, mais contre plusieurs esprits. Il en est de même pour certains. Dans toute ta vie, personne ne t'aide, personne ne te soutient. Des ennemis à gauche, des ennemis à droite, des combats à gauche, des combats à droite. Comme lui, il était seul contre plusieurs démons. Et personne ne pouvait le sortir de là. Bien-aimé frère, même si les hommes ne t'aident pas, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le secours vient de l'Éternel, l'Éternel des armées, l'Éternel qui t'a créé. Et si ces forces de ténèbres sont nombreuses, tu n'as pas besoin de deux Jésus, mais tu as besoin d'un seul Jésus. Il y avait plus de 2000 démons, mais un seul Jésus a suffi pour chasser tous les démons. Je n'ai pas besoin de recevoir Jésus-Christ encore deux fois, je l'ai reçu une seule fois. Et sa présence suffit pour chasser le diable en personne et tout un bataillon de démons. Voyez, la Bible dit que cette situation a pris beaucoup de temps. Mais en une seule minute, Jésus a résolu un problème qui a pris beaucoup de temps. Si ça fait 40 ans, aujourd'hui c'est fini. Est-ce que tu le crois? Si ça fait 50 ans, aujourd'hui c'est fini. Si ça fait 100 ans, aujourd'hui c'est fini. S'ils sont nombreux, aujourd'hui c'est fini. Le problème n'est pas la durée. Le problème c'est qui est face à ce problème. Qui est face à ce problème? C'est celui en qui il n'y a ni commencement ni fin. C'est celui qui ne subit pas le temps, mais qui établit le temps. Mon problème a fait 10 ans, mais ce problème est devant l'Éternel. Mon problème a fait 20 ans, mais ce problème est devant l'Éternel. L'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce qu'un problème de 10 ans devant celui qui n'a ni commencement ni fin? C'est ça souvent qui nous empêche de vivre le miracle. Quand tu vois ta situation qui a pris beaucoup d'années et que Jésus vienne, il dit, je règle ça maintenant. Non, ça a pris trop de temps. Oui, d'ailleurs, comme ça a pris trop de temps, ça doit partir maintenant parce que ça a trop duré. Oh, je dis, comme ça a pris trop de temps, ça doit partir maintenant parce que ça a trop duré. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Lorsqu'un problème prend du temps, nous n'avons pas la foi. Alors qu'il faut croire lorsqu'il dure parce que ça doit partir. Plus les années de la captivité en Égypte prennent du temps, plus vous êtes proche de la délivrance, car Moïse doit venir. Ça a duré, donc ça va partir. Un biberon éclate lorsqu'il a pris trop de temps. Et en quelques minutes, Jésus parle, les démons supplient. C'est ça la doctrine. La doctrine, l'église parle, les démons supplient. La doctrine, c'est pas l'église supplie, les démons parlent. Les démons ont commencé à supplier. Écoutez, les démons ont supplié Jésus avant qu'il ne soit dépouillé, car la croix n'était pas encore là. Maintenant, nous opérons dans une dimension des démons dépouillés. Non, je vais répéter, c'est passé. Quand Jésus est à Gadara, les démons ne sont pas encore dépouillés parce qu'il n'est pas encore mort à la croix. Maintenant, nous avons cru en un Jésus mort à la croix et ressuscité. Nous affrontons des démons plus faibles que les démons qu'il a affrontés à Gadara. Parce que ceux-là étaient armés, mais quand même il les a chassés. À combien plus forte raison maintenant qu'ils n'ont plus d'armes, ils sont dépouillés par Golgotha. Oh, yasandodo sakarabashaya bazaterebobobobobo. Et les démons, pour révéler la grandeur de Jésus, l'adorent. Donc, Satan adore Dieu. Les démons adorent Dieu. Parce qu'ils savent qu'il est le Très-Haut. Il dit, es-tu venu nous tourmenter avant le temps, fils du Dieu Très-Haut? C'est quoi? Fils du Dieu Très-Haut, c'est quoi? Même les sorciers qui te combattent, ils adorent Dieu.
Ils adorent Dieu, ils adorent Dieu. Les démons, ils adorent Dieu. Fils du Dieu très haut. Et quand je suis allé à Bujumbura, j'ai vécu une chose qui m'a enseigné, oh Jésus. On m'a dit que les hippopotames sortaient du lac et allaient vers la plage. Je ne croyais pas. J'ai dit non, on m'a dit les hippopotames sortent et ils viennent à la plage. J'ai dit c'est pas vrai. Est-ce que l'hippopotame peut sortir? Ils sortent. Et la nuit, on causait vers, je crois, 23 heures. Un frère a dit, regardez ce roc. On regarde. Un hippopotame à 10 mètres de nous en train de brouter la pelouse. Et on était là, prêt à fuir. Mais on voulait regarder. Et un chien a couru vers l'hippopotame. J'ai dit, ce chien va l'énerver et on va nous tuer. On a tout fait pour arrêter le chien. Le chien est allé. J'ai vécu une chose qui m'a édifié. Le chien commença à tourner autour de l'hippopotame. L'hippopotame ne s'en occupait pas. L'hippopotame broutait la pelouse. Le chien crie. L'hippopotame ne s'en occupait pas. Et j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu a dit à Job, va vers l'hippopotame. Pourquoi est-ce que l'hippopotame ne s'occupait pas du chien? Parce qu'il connaît que le chien ne peut rien lui faire. Même si le chien aboie encore plus fort, il est davantage calme. Et j'ai reçu une prédication. Hippopotame, ne t'occupe pas du chien, mange ta pelouse. Chrétien, concentre-toi sur ta destinée. Le diable qui tourne autour de toi est un diable dépouillé. Dépouillé, dépouillé. Il peut crier, je t'envoûte. Je mange ma pelouse. Je continue dans ma destinée. Je continue dans les plans de Dieu pour moi. Je continue dans ce qu'il m'a dit. Je persévère. Lorsqu'il a fini de manger, il est rentré calmement dans l'eau. J'ai dit, Dieu l'a créé. Il a plus d'assurance qu'un chrétien, plus d'assurance qu'un enfant de Dieu. Bien-aimés, ils ont vu Jésus. Ils ont commencé à ramper. Fils du Dieu très haut. Mouke Karabatuna, comment va le ciel? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ça veut dire quoi? Satan connaît les Écritures. Et il les respecte. Quand tu dis, quand tu pries, tu dis, il est écrit. Le diable dit, oh, il connaît. Et il obéit. Mais il est étonné que tu ne croies pas qu'il a obéi. Des fois, vous chassez les démons, ils sont partis. Vous continuez à les chasser et puis ils disent, eh, mais j'étais déjà parti. Ah, tu ne crois pas? Je reviens encore. Chasse-moi. Il part. Tu continues. J'étais. Maintenant, il ne croit pas. Il reste. Les démons ne partent pas, pas parce qu'ils sont puissants, parce que toi tu ne crois pas que tu as l'autorité. Et tu es venu nous tourmenter avant le temps, parce qu'ils savent que le diable sera jeté en enfer à la fin des temps. Ils voulaient rappeler à Jésus la parole. Tu ne peux pas nous avoir en affaire maintenant. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Tu n'es pas encore revenu pour l'église. Oui, ils connaissent. Et Jésus, pour révéler qu'il confirmait la connaissance des démons, il ne les a pas chassés dans l'abîme. Et ils disent, envoie-nous dans ces cochons. Et Jésus exauce la prière. Oh Jésus, il y a des chrétiens ici, depuis qu'ils ont prié, Dieu n'exauce jamais, mais les démons ont été exaucés. Les démons sont plus exaucés que toi. Depuis que tu demandes, qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Les démons ont demandé le cochon, on leur a donné. Moins exaucé qu'un démon. Et vous savez pourquoi est-ce que les démons étaient exaucés? Parce qu'ils connaissent aussi la parole que Dieu exauce celui qui prie selon sa volonté.
Et quelle était la volonté de Dieu ce jour-là? C'était de montrer aux Gadaréniens qu'ils étaient méchants. Ils se sont contentés d'être riches pendant qu'il y avait un de leurs qui souffrait. Et ce jour-là, il a anéanti toute leur richesse afin de délivrer un seul homme, afin de dire en avance qu'un jour, Dieu sera capable de tuer son propre fils pour sauver l'humanité. Leur demande était prophétique pour dire que demain, Dieu acceptera d'être dépouillé pour enrichir l'homme. Et il a dépouillé les hommes de ce temps-là pour libérer un seul homme, car leur richesse était les cochons. Dieu t'aime, qu'il est prêt à appauvrir ton oncle qui est franc-maçon à cause de toi. Car le jour où tu seras délivré, il va perdre son poste parce que la puissance de Dieu va entrer dans sa chambre et on va le chasser du boulot. À cause de toi, il perdra son boulot. Et Dieu est prêt que tout le monde ne mange pas pour que tu sois sauvé. C'est ainsi qu'il y a des délivrances qui amènent la persécution. Tout est dans cette parole. Après la délivrance de cet homme, est-ce qu'il y a eu la fête? Des fois, tu viens à l'église, une forte prière, tu rentres à la maison, t'insultes, tu dis « Dieu ne m'a pas exaucé ». Ça prouve d'ailleurs que tu étais délivré. Les Gadaréens t'ont chassé. Si pendant que tu es ignorant, il y a quelqu'un qui utilise ta vie et il s'enrichit à cause de toi, le jour que tu sors du lien, est-ce qu'on va t'aimer? Tu as une sœur ici, tu nourris ta famille par la prostitution. Le jour que tu vas arrêter d'être prostituée, est-ce qu'on va t'aimer? Tu voles et tu amènes l'argent. Le jour que tu arrêtes de le faire, est-ce qu'on va t'aimer? Il y a des délivrances qui amènent la persécution. Mais si cette persécution vient, c'est le signe que Dieu marche avec toi. Et tu ne dois pas abandonner le nouveau chemin parce que tu es persécuté. Au lieu qu'ils se réjouissent que leur frère est libre, ils disent à Jésus, va-t'en. Ils aimaient leur richesse plus que les hommes. Dites perfection. Voyez le tableau. Un homme nu dans les cimetières et dans les déserts, en train de prendre des pierres et se blesser et crier. Quand Jésus chasse les démons, l'homme fou demande la permission. L'homme fou, habité des démons, dit, s'il te plaît Jésus, puis-je t'accompagner? Ce n'était pas une délivrance, moi, ding ding, moi délivré. S'il te plaît Jésus, à peine délivré, il dit, s'il te plaît Jésus, puis-je t'accompagner? C'est-à-dire, tous les nerfs sont revenus en place. Il n'y a pas un seul démon qui est resté. Tous les démons sont partis. Et la Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis fatigué des moitiés de délivrance, des demi-délivrances. Je veux une totale guérison, une totale libération, une totale, totale, totale délivrance. Wow. De la nudité à s'il te plaît. Des tombeaux à puis-je t'accompagner. Oh Jésus, il est celui qui change la couleur de nos vies. Tu étais en noir et blanc, il te donne de la couleur en un instant. Je t'assure, ce Jésus est ici et il est capable de te transformer totalement ce matin. Je ne dis pas demain, maintenant, il peut totalement te changer. S'il te plaît. S'il te plaît, qui parle? Le fou. Alléluia. Je crois en un Dieu qui agit maintenant et qui ne fait pas des choses inachevées. C'est l'auteur des œuvres totalement achevées. Que cela t'arrive, que cela t'arrive, que cela t'arrive. S'il te plaît, un fou. S'il te plaît. Le fou, il te suit sans permission. Les démons l'amenaient où il voulait. Mais quand il dit « s'il te plaît », c'est-à-dire que toute l'éducation oubliée est revenue en un instant. Toute l'éducation oubliée, revenue en un instant. Il s'est rappelé que « balandara moutou », il faut « psenga » permission. En combien de temps?
Que ça t'arrive. Que ça t'arrive. Que ça t'arrive. Que ça t'arrive. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a fait hier, il va le faire ce matin. Et si cet homme avait une maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retrouvé sa maison. Et s'il avait des enfants, il a retrouvé ses enfants. S'il avait des biens, il a retrouvé ses biens. Je déclare la restitution au nom de Jésus. La restitution au nom de Jésus. Que tout ce qu'on t'avait pris te soit rendu intellectuellement, spirituellement, matériellement, physiquement. Que ta santé te soit rendue, ta paix rendue, l'onction rendue, la puissance rendue, la joie rendue, le niveau intellectuel rendu. Que toutes les grâces perdues te soient rendues. Alléluia! Merveilleux Jésus. Alors que cet homme rentre, Jésus lui donne une mission. Va dire à ta maison et à toute la ville ce que Dieu t'a fait. Il devient envoyé avant la Pentecôte. Il entre dans une dimension précédant même les apôtres alors que lui n'a jamais été avec Jésus. Ça, c'est la gloire des choses dernières. Bien-aimé, Dieu peut te délivrer aujourd'hui, dit tu es pasteur. Oh, il te délivre aujourd'hui, tu dis toi, tu es un apôtre. À peine converti, oui, à peine délivré, à peine envoyé, parce qu'il n'y a pas le temps. Moi, je me suis converti aujourd'hui, j'ai entendu une voix que je suis prophète. Oui, c'est Dieu. Qui t'a dit que Dieu va prendre 10 ans pour t'appeler? Qui t'a dit que Dieu va faire 2 ans pour t'appeler? C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où? Qu'il faut faire 20 ans dans le Seigneur et puis Dieu t'appelle. À peine converti, à peine appelé. Donc, si nous reformulons l'histoire, c'était l'histoire d'un évangéliste en prison. Ainsi, vous comprenez pourquoi Jésus s'est déplacé. Quand tu arrives à la fin de l'histoire, tu ramènes au début, tu comprends le déplacement. Parce que par cet homme, Jésus a prêché dans 10 villes sans entrer dans ces villes. En soi, Jésus cherchait 10 villes, mais dans un homme. C'est pourquoi je te parle de tout mon cœur. Parce que peut-être tu vas engendrer un grand pasteur demain. Et ce pasteur va bouger le monde. Je te parle de tout mon cœur. Et tu peux dire, Boni Olobama Kasiboy. Non, mon ayoté. Non, mon a 10 villes. Non, mon a 10 villes. Non, mon a 10 villes. Je ne regarde pas la graine. Je regarde la forêt qui est cachée dans la graine. Et je te parle de tout mon cœur. Libéré de plus de 2000 démons. Envoyé vers 10 villes. Un homme qui vivait où? Dans le désert. Un homme qui était dans la pauvreté. Un homme qui était dans le noir. Qui était dans une habitation démoniaque. Mais Dieu avait un plan pour lui aussi. Il n'a pas un plan que pour Pierre. Il n'a pas un plan que pour Matthieu. Il n'a pas un plan que pour Jean. Il n'a pas un plan que pour les Nigérians. Il n'a pas qu'un plan pour les Américains. Il a un plan pour le Congo. Congo, Dieu a un plan pour toi. Malgré les guerres, malgré les chantiers et tout le reste, Dieu a un plan pour nous. Je resterai là jusqu'à ce qu'ils viennent me visiter. Et quand cet homme allait et qu'il prêchait, qu'est-ce qu'il disait? J'étais fou. Et un jour, un jeune homme est venu. Il a dit, hein, quittez cet homme et j'ai été délivré. Et il m'a envoyé vers vous. Si tu n'as rien à dire, il y a quelque chose que tu maîtrises toujours, ton témoignage. Si tu n'as rien à dire au monde, tu ne maîtrises pas l'Apocalypse, l'hébreu, le grec. Il y a quelque chose que tu maîtrises. J'avais des femmes de nuit, j'étais délivré. J'avais des maris de nuit, j'étais délivré. J'étais impudique, j'étais délivré. J'étais ivrogne, j'étais délivré. Je ne dormais pas, j'étais délivré. Va dire au monde ce qu'il a fait pour toi.
Le monde n'a que faire des théories. Le monde a besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans ta vie. J'étais et je suis devenu. Sans lui, j'étais, mais aujourd'hui, je suis. Frères, sœurs, cette histoire révèle à quel point l'amour de Dieu est grand, l'amour de Dieu est fort. Dieu peut toucher un Américain, quitter les États-Unis, faire une croisade au Congo, rien que pour toi. Rien que pour toi. Rien que pour toi. Et peut-être même ce culte n'a pas fait pour, été fait pour tout le monde. Rien que pour une seule personne. Pour un nom. Est-ce que cet homme, après rentrer dans les sépulcres, est-ce que cet homme, après rentrer dans le désert, finit cette vie-là? Je ne rentrerai jamais dans l'impudicité. Je ne rentrerai jamais dans le tombeau. Je ne rentrerai jamais dans la masturbation. Je ne rentrerai jamais dans les fétiches, dans la magie. Je ne rentrerai jamais dans le vol. C'est un tombeau, c'est un tombeau. Je vous en supplie, ne rentrez pas dans vos tombeaux. Ne rentrez pas dans vos anciens péchés. Ne rentrez pas dans vos anciens liens. Ne rentrez pas. Allez en décapole. Séparez-vous de vos tombeaux. Le problème du Congo, le voici. Les gens obtiennent la délivrance, mais le soir, ils dorment dans le tombeau. Les démons sont chassés, mais ils restent dans le tombeau. Une délivrance se maintient dans la sanctification. Car la Bible nous dit que lorsque les démons sortent, les démons vont dans les lieux arides. Et lorsqu'ils ne trouvent pas d'endroit, ils disent « Je rentrerai ». Et quand ils rentrent, s'ils te trouvent dans le tombeau, ils entrent en toi. Des fois vous dites « Dieu n'est pas puissant ». Mais quelle est la vie que vous menez après avoir chassé les démons? Quelle est la vie que vous menez, bien-aimés? Jésus vivait dans la sainteté, c'est pourquoi il les a chassés. Les apôtres vivaient dans la sainteté, c'est pourquoi ils les ont chassés. Les esprits impurs qui étaient dans le possédé de Gadara sont tombés dans l'eau avec les cochons. Mais est-ce qu'ils sont morts? Ils sont sortis des cochons quand les cochons se sont noyés et ils ont cherché d'autres personnes à rendre folles. Mais savez-vous, la première personne que ces démons recherchaient, c'était qui? C'était l'évangéliste. Mais oui, c'était l'évangéliste que ces démons la cherchaient. Et si ces démons étaient venus dans sa vie par un péché, et lui dit « Jésus m'a libéré », il rentre dans ce péché. Il avait 2000, il en aura combien? 14 000. 14 000 démons. Je vous supplie mes frères, n'aimez pas la délivrance sans aimer la sanctification. Vous tous qui recherchez la délivrance dans le péché, vous n'avez pas compris Dieu. Lorsqu'on recherche la délivrance, on se répand de ses péchés. On ferme toutes les portes au diable. Le possédé de Gadara n'est jamais plus redevenu un possédé. Parce qu'il est resté dans la seconde mission évangéliste. La Bible ne parle plus de lui. Parce que la Bible, c'est des fois comme un film. Certaines personnes jouent leur rôle, mais on se fixe sur l'acteur du film. Et on continue avec Jésus. Mais je présume et je crois que cet homme est resté fidèle. Écoute ceci. Lorsque l'homme souffrait, les démons se plaisaient. Car lorsque Jésus-Christ est venu et qu'il les a chassés, ils ont dit, ne nous tourmente pas. Il suppliait parce qu'il savait qu'il ne trouve la paix que là. Lorsque tu trouves la paix, les démons sont malheureux. Et quand tu es malheureux, ils sont heureux. Et quand ils veulent te ramener dans tes anciens péchés, ils te trompent que tu auras la joie. Non, tu seras malheureux pour qu'ils deviennent heureux. Si lorsque Dieu te délivre et que toute la ville de Gadara se lève contre toi, ta famille se lève contre toi, tes amis se lèvent contre toi, pourquoi tu n'es plus dans ces choses? Préfère avoir la paix avec Dieu et d'être en guerre avec les hommes et de garder ta délivrance.
tu as attiré des esprits impurs dans ta vie par la prostitution et puis tu dis plus jamais ça. Et toute ta famille, tes amis se plaignent, qui se plaignent. Mais toi, tu ne rentreras plus là-bas. Avec Jésus, c'est un ticket, aller sans retour. C'est pourquoi dans le combat spirituel, il n'y a pas d'arme qui protège le dos, parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses l'abandonner. Tu as commencé cette vie chrétienne, tu dois aller jusqu'au bout. Le jour que tu vas penser rentrer dans le monde, tous ces démons-là t'atteindront. Je ne vais pas vous mentir et je ne veux pas changer la parole pour faire bien ce matin. Je dois vous prêcher toute la parole de Dieu. Lorsque vous étiez dans le monde, des esprits impurs étaient en vous. Pensez-vous que ces esprits sont morts? Ils sont encore là. Mais ils recherchent à retourner en vous. La Bible nous dit que les démons s'étaient emparés de cet homme. Emparés, ça veut dire ils sont entrés de force, mais ils ont trouvé une porte. Je vous supplie, n'abandonnez pas Dieu. Alléluia. Nous avons commencé cette histoire, nous irons jusqu'au bout. Si Jésus reviendra après 100 ans, nous serons une église des vieillards. Ramamasanderebobo. Alléluia. Et nos enfants de l'Écodime seront des protocolaires pour nous tenir quand on tombe, pour qu'on ne se casse pas. Je ne lâcherai pas. Je connais la vie que j'avais avant Jésus. Je ne l'abandonnerai pas. Ma vie, ce n'est pas le tombeau. Ma vie, ce n'est pas le désert. Si même tu ne trouves pas la force de continuer, imagine seulement cette vie que tu avais sans Jésus. Est-ce que tu avais la paix? Sans Jésus, lorsqu'une vieille dame seulement me regardait longtemps, je tremblais. Je croyais qu'elle était sorcière, qu'elle va me bouffer. Mais aujourd'hui, même si 1000 vieilles dames me regardent, j'adore. Nanko. Est-ce que je peux retourner à cette vie-là sans protection, sans assurance? Quand je n'avais pas Jésus, j'étais un insensé. Mais aujourd'hui, je parle des hommes, m'écoute. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Il n'y a rien dans le tombeau, il n'y a que des morts. Je dis, il n'y a rien dans ton ancienne vie, il n'y a que des morts. Tous tes amis qui sont restés des païens, ce sont des morts, ne les envie pas. Est-ce que Lazare, quand il est ressuscité, il enviait ceux qui sont restés? Jésus, tu me ressuscites, mais je ne vois rien. Il fallait que je reste au tombeau. Mais pourquoi vous dites ça à Dieu? Je me suis converti. Mes amis, tu parles de qui? Des morts. Même si un mort meurt en Versace et en Yoji, il est mort. Même s'il est mort aux États-Unis, il est mort. Pourquoi vous enviez vos amis du monde? Pourquoi vous les regardez avec convoitise? Et pourquoi vous désirez le tombeau? Est-ce qu'il s'est trompé de se donner la peine de quitter Galilée pour toi? Il s'est donné la peine de quitter le ciel pour la terre pour toi. Il meurt à ta place, il te sauve, mais toi tu regrettes. Quelle insulte! Quelle insulte! Un païen peut tout avoir. Je ne l'envierai jamais. Et je ne le dis pas parce que je prêche, c'est vrai dans mon cœur. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Une voiture que je n'ai pas? Une voiture, c'est quoi? Quatre épunets, un petit moteur, et puis on écrit Ferrari. C'est quoi? Une maison, c'est quoi? Des pierres, des pierres, des pierres, des pierres. L'argent, des papiers, des papiers, des papiers. Si ça brûle, tu pleures. Mais j'ai le Saint-Esprit. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Dieu me connaît par mon nom. J'ai l'assurance que même si je meurs, je ressusciterai au dernier jour. Qu'est-ce qui peut dépasser ça? Qu'est-ce qui peut dépasser ça? Dis-moi, qu'est-ce qui peut dépasser ça? Steve Jobs, alors qu'il était en train de révolutionner le monde des ordinateurs, il avait un cancer, il ne pouvait se guérir et il est mort. Qu'est-ce que sa richesse a fait pour lui? L'homme qui a fait l'iPad est mort. Il a fait l'iPad, il est mort. iPad, mais il est mort. Bill Gates, chaque année, il vieillit. Vous avez remarqué? Obama, je l'ai vu à Bruxelles. Ses cheveux sont devenus blancs. Être président ne l'empêche pas de tendre vers la mort. Mais il y a quelqu'un.
Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Si le possédé de Gadara pouvait revenir au niveau des tombes, c'était seulement pour amener des gens en tourisme et dire, voici là où j'étais, mais je n'y suis plus. Et puis je peux passer devant un bar, je dis chaque samedi j'étais là, mais je n'y vais plus. Maintenant je vais à la compassion. Nombreux étaient les morts le jour de la résurrection de Lazare, mais lui seul est ressuscité. Pensez-vous qu'il a eu compassion de ceux qui sont restés et dire je ne ressuscite pas aujourd'hui parce que je suis seul? Pourquoi tu attends que tout le monde se convertisse pour te convertir? Quelle fausse compassion! C'est question de salut. Je dis c'est question de salut. Chaque pas que tu fais en destination de la décapole te sépare de ton passé, te rend puissant. Mais chaque pas que tu fais vers ton passé ramène les puissances sataniques en toi. Où es-tu en train d'aller? Es-tu en train d'aller vers la décapole ou vers le tombeau? Car des fois il arrive dans la vie chrétienne, tu grandis et puis tu t'habitues aux choses de Dieu. Et puis tu commences à revenir progressivement. Tu avais abandonné le péché, en gros, tu commences à le récupérer en détail. Tu avais abandonné le péché, en gros, mais tu reviens, tu reprends celui-ci et puis celui-ci. Mais chaque péché que tu reprends aussi les démons qui les accompagnent. Voici un secret que je vous donne pour finir. Aujourd'hui, ça fait, je crois, 24 ans, 23 ans que je suis chrétien. 24 ans que je suis chrétien. Et je l'aime comme je l'ai aimé le premier jour. Vous savez mon secret ? Je l'aime chaque jour comme si c'est mon dernier jour à vivre. Parce que demain ne m'appartient pas. Je l'ai prié ce matin comme si c'est ma dernière prière. Je prêche ce matin comme si c'est ma dernière prédication. Je me sanctifie aujourd'hui comme si c'est ma dernière sanctification avant l'enlèvement. Je lui donne le meilleur de moi chaque jour. Et le jour que je sens que je n'ai pas donné le meilleur de moi, je lui demande immédiatement pardon. Je n'attends pas que la courbe devienne très accentuée pour la redresser. Mais une fois seulement que je sens que la pente commence, je redresse, je me répands et je continue ma route. Et je me retrouve maintenant, ça fait 24 ans. Mais c'est comme si c'était un seul jour. Vous vous êtes convertis non point pour abandonner. Vous êtes convertis pour être sauvés. Allez jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment. W, W, W.